Tu es effrayant parce que ce que Dieu a déposé sur toi cause le trouble dans le monde des ténèbres. It's causing trouble. Et crois-moi ce matin, and believe me this morning, ce trouble ne s'arrêtera jamais dans leur monde. This trouble will never stop in their realm. Parce que ce qui est à toi, je le déclare ce matin, indestructible, inarrêtable, je le déclare insaisissable. What belongs to you is undestroyable and unseizable. En fait, il faut juste que tu comprennes. Just understand. Cette vérité. This truth. Il faut juste que tu la comprennes. Just understand it. Vous voyez le diable s'acharner particulièrement sur l'un de vos enfants? You see the devil really on one of your child. Il a un avenir particulier. He has a specific future. Vous voyez le diable s'acharner particulièrement sur la santé de votre époux, de votre épouse. If you see the devil maybe focus on your spouse, husband or wife. Il est en train de vous dire. He's just showing you. Sa santé risque de lui causer de gros dégâts. His health might bring big trouble. Il est effrayé. So he's frightened. Mais ce matin, I je déclare suffer. Que toute semence de mort en toi vient de disparaître. Every seed of par death le sang de Jésus-Christ. Disappear by the blood of Jesus. Si tu n'es pas encore marié, que tu es appelé à l'être, ni ton époux, ni ton épouse, dis avec moi mon mari ou ma femme. Just si tu n'as pas, husband, il n'est pas encore là, mais il est là. J'ai dit, ni toi, nor you, ni ton époux, ni ton épouse, spouse, husband or wife, ni vos enfants présents ou à venir, present or future, ne seront touchés will be touched par l'œuvre du dragon qui avale les enfants sortis de l'église. By the word of the dragon swallowing the children out of the church. C'est pourquoi j'ordonne d'ailleurs que ce que le dragon a réussi à avaler, qu'il le vomisse ce matin. Vomit what is your sin and swallow it. Tu finis cette année avec des témoignages, des témoignages importants, des témoignages resplendissants. Ta famille témoigne et témoignera des œuvres du Seigneur. Tu as prié 14 jours pour un témoignage dans ta famille. Je dis, il y a des gens qui ont commencé à tomber devant toi. Ils ne se relèveront plus. Ce qui a commencé à tomber devant toi, je sens la trompette de l'Éternel sur mes lèvres pour déclarer à quelqu'un ce matin, ils ne se relèveront plus. Ce matin, je t'identifie à la race devant laquelle les autres tombent. Écoute-moi très bien. Aman est tombé jusqu'à la potence. Il a été pendu. Mais il ne savait pas que la potence avait débuté quand le roi l'avait obligé à conduire son ennemi. Les gens disent que c'est la période idéale pour que le règne des ténèbres soit manifeste. C'est vrai. Mais les ténèbres savent où elles rentrent et où elles ne rentrent pas. Une réalité venue des ténèbres. Écoute-moi très bien. Comme le sang a été posé sur le linteau des portes, et l'ange de la mort visitant des maisons passait par l'Égypte sans jamais avoir l'opportunité d'avoir accès à la maison qui avait le sang sur le linteau des portes, je viens te dire, en cette fin d'année, la mort ne rentre pas et ne rentrera pas dans ta maison. Je déclare sécuriser ta vie, sécuriser la vie de tes enfants, sécuriser tes activités, sécuriser tes rêves, sécuriser tes projets, sécuriser ta destinée. Je déclare toutes choses sécurisées. Cette église sécurisée dans le sang et par le sang de Jésus-Christ.